Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Et aujourd'hui, on a le nouveau portail qui est arrivé, donc le fameux trio LR Kamehameha familial. On a une grosse promo dessus. Donc bah écoutez, je pense qu'il faut vraiment invoquer et au moins faire un cycle, parce que vous avez les 3 premières multi plus la gratuite. Donc pour 100 DS, en gros, vous avez 4 multi. Et ça, c'est plutôt très très bon. Alors... Déjà, une chose, hein, je viens de me réveiller là, les gars. 6 jours fériés, faites pas attention à ma coupe, faites pas attention à tout ça. On s'en tape. Je me suis réveillé, j'ai vu les multi, etc. J'ai dit, bon, allez, on va invoquer tranquillement. D'ailleurs, courage à tous mes frérots qui font le ramadan. On est ensemble, vous inquiétez pas. Et on va aller invoquer sur le portail, du coup, tout de suite. Alors, ce portail-là, est-ce qu'il est intéressant? Bah, quand je vous ai dit rien que la promo, déjà, c'est super intéressant. Mais honnêtement, le détecteur est plutôt pas mal. Le détecteur est vraiment plutôt pas mal, donc on a du... Alors personnellement, donc le trio LR familial, c'est vraiment le truc que je veux sur ce portail là, je vais vous dire pourquoi. Ce Gohan là, je m'en fous un peu, enfin il fait duo avec le trio, mais faut déjà avoir le trio. Le Vegeta Blue évolution, j'ai déjà le Vegeta Blue multiforme, Vegeta multiforme tout simplement. Donc celui-là, c'est pas forcément ce que je vais aller chercher. Après... il permet de faire plus de team parce qu'il est type AG, etc. Et c'est vrai qu'en AG c'est un peu la hess. Donc j'aimerais bien l'avoir, clairement. Le Vegeto Blue Tech, je n'ai pas de double dessus. J'aimerais bien avoir des doubles parce qu'il est vraiment très très fort au niveau du farm, tout simplement, pour mettre des dégâts. Il fait vraiment le taf, il n'y a pas de perso qui fait plus de dégâts que lui, je pense. Le Gohan Ultimate Puis, j'ai déjà un doublon, pourquoi pas un deuxième, écoutez. Par contre, le Broly CG3 Tech, c'est vrai que sur le portail il fait moche, très très moche. Donc je veux pas, j'ai déjà un doublon dessus. Le Gohan, le Gotex, pardon, SSJ3, je l'ai, j'ai pas de doublon, ça ferait une bonne occasion de l'avoir. Alors le Goku SSJ3 AJ, j'ai déjà un doublon, pourquoi pas un deuxième. Par contre, le Goku N, non, lui non. Donc, ouais, il y a un peu de... Le portail est assez mitigé, écoutez, on va voir ça. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus et à vous abonner si c'est pas déjà fait, les frérots. J'espère que tout le monde aura de la luck. On va commencer avec la première multi. 1, 2, 3, let's go, c'est parti. Ah là 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 là. Je crois pas qu'il y ait quelque chose de spécial là par mon... Par ma connaissance et SLJ2. Bon. Pour l'instant ça sent pas super bon. Tao Pai Pai. Ok. Ouais. Bon. Pour le moment, ça sent pas extrêmement bon, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est la première multi, elle va être complètement carotte en fait. Aïe. La première multi... Oh, j'ai déjà 100%. Oh, la première multi catastrophique. La première multi catastrophique, j'ai déjà 100%. J'ai déjà 2 doublons en trop, je crois que ça me fait un 3ème doublon en trop. C'est catastrophique. Cette multi-là est vraiment nulle, c'est 30 DS par chier dans le vent. C'est dommage, on continue. C'est extrêmement dommage. Allez, une petite animation sympa cette fois. Un détecteur. Ok. Un détecteur. Après, on a vu le détecteur. Hein. Donc, au moins, ça c'est un truc bien comme les moyens, ça soit un truc pas terrible. On espère que ça sera plutôt un truc bien. Hein. Forcément. Ok. On commence avec un Riku. Un petit Wisend. Beaucoup. Ça va être qui du détecteur là? C'est pas lui, ça c'est un SSR en plus. Donc il sert à rien. On va pas passer 20 ans sur le perso. Enfin ici il peut servir, mais c'est pas ce qu'on cherche clairement. Ça va être le dernier perso quoi. Là. Attendez, on a vu Tenchi. C'est détecteur. Dis-moi pas que c'est le dernier. Oh non, je crois que c'est 3 SSR ou détecteur. Oh lolo. Non, attends, lui il est sur le détecteur. Non, il n'est pas sur le détecteur. Oh, bon. Pas beaucoup de chance à ce niveau-là, c'est dommage. Écoutez, c'est très très dommage. On va continuer. Pour l'instant, des multi catastrophiques. On a Vegeta. Ça serait bien de pouvoir avoir un Vegeto. C'est vraiment très bien parce que là, je suis pas en PLS. Pas de végétaux à l'horizon apparemment. Ah si. Ah cool. Cool cool cool. Dommage que ce soit pas un végétaux blue, ça m'aurait garanti un LR. Dommage, dommage. Mais un végétaux ça fait plaisir. Donc là c'est un Dokkan Fest garanti. Là c'est sûr, il n'y a pas de... Il n'y a pas de retour loop.
Allez, ça va être lequel? Espérons que ça soit pas brûlé CJ3. Raditz. Un petit Gotenks et CJ3N, pourquoi pas un doublon, j'en avais pas encore. Ok, assez cool. Assez cool. C'est dommage que les mutis d'avance étaient vraiment éclatés parce que... Ok, Goku, que j'avais pas encore 100%. C'est dommage que les mutis d'avant étaient éclatés, celle-là est plutôt pas mal. Je suis plutôt content. Bon bah écoutez, c'est parti pour la dernière multi. C'est parti pour la last. Donc Ah. Ah oh. Là c'est détecteur normalement je crois. Là c'est. Mais ça me paraissait bizarre tout à l'heure quand même. Pour moi j'étais sûr que Tenshin plus Chaozu c'était détecteur. Peut-être Tenshin plus Chaozu c'est soit détecteur. Soit 3 persos, 3 SSR. Et Akiamsha c'est 3 SSR. Akiamsha c'est perso d'utiliser rien entier. Ok. Ok, je prends. Je prends, mais je le voulais pas, honnêtement, je le voulais pas du tout. Si t'as pas le LR, il sert pas à grand chose, honnêtement. Ok. Bon, bah écoutez. Cette fois-là, on n'aurait pas eu beaucoup de chance. On a un petit lot de consolation qui est le Gotenks, mais. C'est pas foufou. Ouais, 3 multi pour avoir encore une multi. Je suis assez dubitatif. Bon bah écoutez, assez catastrophique ces multi-invocations dans l'ensemble. On a eu deux persos du détecteur, mais vraiment des persos dont je m'en fous en fait. Un doublon et un Gotenks, c'est dommage. C'est dommage, après il y a pire. Donc au moins on a eu ça. En 4 multi. Bon bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la prochaine. Toujours on essaye de garder le rythme de Canning. Un par week-end en attendant que je finisse aussi l'examen, etc. Et puis que je sois plus tranquille. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Je vous souhaite plein de luck pour vos invocations. Ciao, ciao, à la prochaine. Bon, finalement, j'ai pris un petit pack parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas pris un et que j'étais pas quand même pas mal frustré par ces trucs. J'ai été faible. Écoutez, on va faire une dernière multi. On va faire une dernière multi. On espère que cette fois on aura un peu plus de chance parce que c'est vrai qu'à moi, assez frustré ces multi là. Par contre celle-là, ça sera la dernière. Bon. Ça inaugure pas quelque chose de super bien. Par contre celle-là, ça serait la dernière. En ce moment, j'achète pas de pack en fait. J'en ai acheté très peu. On a un petit SCJ2, donc rien de garanti. On espère quand même un truc tomber derrière le camion quand même. Bon, ce portail ne veut pas de moi apparemment. Après, je l'ai trash talk, mais c'est normal. Franchement le ah ouais c'est vraiment ouais bof ouais ok bon bah écoutez ce portail m'aura chié dessus un peu et puis voilà ciao.